Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. Ouais, 5 ans. Ouais. On ne doit pas faire l'amour ensemble, en fait. Imaginez, c'est la première fois que vous discutez avec Anne, une amie très érudite de votre femme, et de but en blanc, elle vous sort cette phrase. Le paradigme sociétal de masse est, selon moi, une expression antinomique virtuelle des pluralismes du réel conçu. Ouais, c'est sûr, je me suis dit aussi. Votre réaction, c'est quoi? Vous faites genre, écoute, excuse-moi, moi je pense que c'est plutôt le contraire. Ou bien vous êtes honnête, oui, alors là le problème c'est que j'ai pas fait hypocagne, pas compris. Ou alors vous rabaissez le niveau, ouais. Et sinon l'été, t'es plutôt mer ou montagne toi? Je pense que je vais plutôt dire, sinon l'été t'es plutôt mer ou campagne. D'accord, vous rabaissez le niveau. Ouais, puis de toute façon, j'aurais pas compris ce qu'elle m'a dit. Donc. D'accord, donc franchement, autant y aller franchement. Ouais, même pas peur. Olivier? Je suis honnête. Vous êtes honnête? J'ai compris, non, c'est bon, on va passer à autre chose, ouais. Très bien. Patrick? Je crois que je vais me foutre d'elle et je vais faire oui. Bon, je pense que c'est le contraire. D'accord, en mode vous faites genre, quoi. Ouais. D'accord. Imaginez, c'est la première fois que votre chérie discute avec Anne, une de vos amies très érudites et de but en blanc. Cette amie lui dit... Le paradigme sociétal de masse est selon moi une expression antinomique virtuelle des pluralismes du réel conçu. Tout à fait. Jusque-là, ça va. Oui. La réaction de Jordan, c'est quoi? Il est honnête et lui dit « Désolé Anne, mais moi, j'ai pas fait hypocagne. » Ou bien il rabaisse le niveau. Et sinon, l'été, t'es plutôt mer ou montagne. Ou bien il fait genre « Ah, ouais, bah, excuse-moi, je pense que c'est plutôt le contraire. » Ne me demandez pas de répéter cette phrase. Je pense qu'il serait plutôt honnête. Il serait plutôt honnête. Il dirait qu'il n'a pas compris. Je n'ai pas fait hypocagne. Ouais. Jordan. Bah oui, j'ai pas compris. J'ai pas compris, du coup, je réponds ça. La faute. Ah oui. Non, mais c'est pas vrai. Ça part pas mal. Ouais. Bah oui. Après, l'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment. On apprend des trucs. C'est vrai. On apprend des coutumes locales, voilà. D'ici à ce qu'il veuille bénir le plateau des amours. Star, il est honnête, il rabaisse le niveau ou il fait genre, j'ai compris? Il est honnête. Il est honnête, Patrick. C'est moi qui ai le carton, c'est moi qui tape. Vous pouvez prévenir Nagui, j'ai l'impression que c'est ses candidats qui sont venus sur mon plateau. Ils se sont gourés, on a fait un échange. Bébé. Non, ils se connaissent pas du tout. Pas du tout. Marine. Je vais jouer sur l'honnêteté. Il est honnête. Ouais, je pense. Désolé Anne, j'ai pas fait hypocagne dans le sens. Ouais. Bravo. 5 points. Waouh. Alléluia. Une femme qui la première fois veut absolument faire l'amour dans le noir complet. Habillez-vous quand même, c'est gênant. Sexuellement, ça vous excite? Psychologiquement, ça vous inquiète? Physiquement, ça vous arrange? Ça m'excite. Ça vous excite? Patrick? Non, moi, ça m'inquiète, je préfère voir. D'accord. Ouais. Jordan? Moi, ça m'arrange. Ah, pourquoi ça vous arrange? Je sais pas. Comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise à la premier rendez-vous. Ah non, mais moi, je disais... D'accord, physiquement, par rapport à elle, d'accord, ok, très bien, mais ça marche. Par rapport à moi, je me sens très bien. Moi, ça va, écoutez, moi, je suis en mode beau gosse, je vends des instruments de sport, je pratique. Pas jusque-là, non. Bon, on va voir maintenant si, lumière allumée, vos chéris vont avoir les mêmes réponses que vous. Selon lui, une femme qui, la première fois, veut absolument faire l'amour dans le noir le plus complet. Psychologiquement, ça l'inquiète, ou sexuellement, ça l'excite, ou physiquement, ça l'arrange? Ça l'inquiète. Ça l'inquiète, Patrick. Bonne réponse. Ça tombe bien, dans les champs de Pitakaya, il fait un grand soleil. Marine? Je dirais ça l'excite. Ça l'excite, Olivier? C'est la troisième, hein? Dans l'autre sens. J'aurais dit la même chose, ça l'excite. Ça l'excite, Jordan. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. Ouais, 5 ans. On ne doit pas faire l'amour ensemble, en fait. Ou alors, c'est qu'il manque vos parents, votre famille, pour vous en parler. J'ai l'impression, c'est ça le truc. Ça.